ici. Lewis, où es-tu? Ah! C'est toi, Emma? Par ici. Suis-moi, Ricky. Tes amis sont là. Ah, super les filles. Vous avez tout ce qu'il faut? Ouais, et j'espère que tu vas nous payer pour notre peine. Comptez sur mon amitié éternelle. Tu es sûr que ça va marcher? Enfin, Lenny, bien sûr. Il s'appelle Lenny? Quoi, vous vous êtes pas présenté? Oh, eh bien, Lenny, les filles, Lenny, le cadet de la famille. T'en as encore beaucoup comme ça? On est cinq, mais je n'ai qu'un seul frère qui soit doué pour l'agriculture. Et qui ose confier à Lewis un système d'irrigation. Eh, hey, tu fais une affaire avec moi, Lenny. Ouais, tout ton arrosage va être entièrement automatisé. Et il sera très supérieur au système que t'avais avant. Ok, bon, eh bien, vous avez, j'imagine, un tas de choses à mettre au point. On va peut-être vous laisser. Ok. Elliot, où es-tu? Bah, dis donc, tu te caches ici, on te retrouve plus, hein. Eh bien, cache-toi. Allez, viens, Elliot. On t'emmène faire un peu de surf. Waouh. Attends, Emma, c'est quoi cette histoire de surf? Oui, c'est Byron qui lui apprend. Il se débrouille bien. C'est super, mais... y a pas quelque chose que t'oublies. T'inquiète, je m'approche pas de l'eau, tu sais. Lui non plus, d'ailleurs. Les premières leçons, c'est sur la plage. On risque pas d'être mouillé. Oh, c'est révoltant, ça. Tiens, on commence le grand rallye nettoyage de la plage. Tu nous donnes un coup de main? Oh, oui, c'est vrai. Une seconde. Tu pourrais me rendre un grand service. Surveille un peu, Elliot. Oh non, cet exclu ne compte pas sur moi. S'il te plaît. Les gosses, c'est pas mon truc. Voilà, un, deux... Je peux l'emmener avec toi. Et il faut qu'ils s'entraînent. Un, deux... Hop. Tu veux pas faire le grand rallye de nettoyage de la plage? Non, merci. Voilà, très bien. Sympa, ok, merci, j'apprécie. Emma, je décline toute responsabilité pour ce qui pourrait lui arriver ou ne pas lui arriver. Ça, je te fais confiance. Je t'ai pas dit que j'allais devenir un pro du surf? J'ai pas hâte de faire la conversation. Regarde, je vais te montrer. Elliot, fais pas ton numéro. Elliot, viens ici. Je ne plaisante pas, Elliot. Je te préviens, je te laisse. Salut, Elliot. C'est quoi cette trace? Comment t'as fait ça? C'était comme une vague monstrueuse venue de nulle part. J'ai cru que j'allais me retrouver en Nouvelle-Zélande, moi. Et là, j'ai vu Ricky. Et elle m'a sauvée. Attends une seconde. Tu as vu Ricky dans l'eau? Ouais. Elle est incroyable, je te jure. Ah bon? Pourquoi? Ben parce que c'est la nageuse la plus rapide que j'ai jamais vue. Elle nage plus vite que tout, même plus vite qu'un dauphin.
qu'un dauphin? Elliot, veux-tu nous dire ce que tu as vu exactement? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu faisais dans l'eau pour commencer. Oh, eh ben, en fait, j'y vais. Ricky! Mais où t'étais passé? J'ai cru que tu avais disparu. T'as un don ou quoi? Je suis très bonne en apnée. Attends, tu rigoles? Je t'ai trouvée fabuleuse, absolument éblouissante. Oui, tu as été incroyable. Tu veux me faire plaisir? Ce que tu veux. Laisse-moi entrer. Bon, vas-y. Ricky est là. Bienvenue à notre héroïne. J'ai l'impression qu'on te doit une fière chandelle. Je leur racontais comment tu m'avais sauvée de la noyade. Oh, sauvée, c'est exagéré. Oh, elle est aussi modeste que courageuse. C'est la nageuse la plus rapide du monde. Il exagère, je vous mais dis. Mais pas du tout, voyons. Ce que tu as fait ne manquait pas de panache, je te le dis. Ricky, je peux te parler une minute, en privé. Je t'écoute. Tu vas nager et tu oses me dire tranquillement, je t'écoute. Tu voulais que je fasse la babysitter? J'ai fait le boulot. Alors la prochaine fois, laisse quelqu'un d'autre nettoyer la planète et occupe-toi de lui. T'en fais pas, c'est ce que je ferai. Est-ce qu'il a... Oui, comment dire... Est-ce qu'il a vu quelque chose? Évidemment, j'ai fait mon show. Enfin, arrête, Emma. Il ne suspecte rien. Et pourquoi alors s'extasie-t-il sur tes capacités à nager plus vite qu'un dauphin? Il exagère, c'est tout. J'ai fait attention. Je me suis assurée qu'il ne voyait rien. Je suis pas stupide, Emma. Je n'ai jamais dit ça. Mais enfin, s'il s'apercevait que nous sommes des sirènes, ça lui ferait un choc. Oui, j'imagine que ce serait un choc pour n'importe qui. Tu comprends pas. Entre lui et moi, il n'y a pas de secret. Il ne pourrait pas comprendre un mensonge pareil. Jamais il ne pourrait y faire face. C'est marrant, ça. J'ai remarqué que dans toutes les familles modèles, les gens avaient ce problème. Faire face. Cher Ricky, tu es mon héroïne. Je sais bien que tu as pris un risque calculé, Ricky. Mais enfin, est-ce qu'on peut prendre un risque pareil sur une plage publique? Elliot est sauvé. Y a de quoi en faire un drame. Bon, c'est bon, laissez tomber. Sois prudente la prochaine fois quand même. Je suis toujours prudente, maman. Mon devoir de géographie, t'es sympa? Tu sais qu'il était presque fini? J'y avais passé des heures. Quoi? Tu as presque fini un devoir qu'on nous a donné hier? Elle avait presque fini. Et grâce à toi, il faut que je recommence tout. Arrête, tu effaces, là! Ok, attends. Tu vois? Faut pas stresser. Oups. Oups. Écoute, c'est un accident. On peut peut-être faire marche arrière en remettant un peu d'eau. Oups. Cléo. Nous devons toutes les trois apprendre à utiliser nos pouvoirs, Emma. Alors on a intérêt à s'améliorer. Et vite. Oui, entrez. Salut. Ricky, tiens, c'est pour toi. Oh, Elliot, c'est trop gentil. Tu ne trouves pas que c'est gentil? Oui, c'est super. Merci. Tu viens jouer à mon nouveau jeu de skate en 3D? Elle va adorer. Sauf que, mais ça me revient, on m'attend quelque part. Désolée, je file. Une seconde. J'ai des chocolats aussi. Oh, des chocolats! Miam! Merci! C'est les meilleurs que j'ai pu trouver. J'y ai passé toutes mes économies. Et j'espère que tu aimes quand ils sont fourrés, sinon je les rapporte. Non, non, non. Quand ils sont fourrés, j'adore. Elliot, est-ce que je peux te parler une minute? Ouais. Toi, tu restes là. Elliot, dis-moi ce qui se passe entre toi et Ricky.
T'inquiète pas, je pense pas que notre amour puisse nuire à votre amitié. Viens par là, assieds-toi. Elliot, Ricky est différente des filles de ton école. Ce n'est pas vraiment une fille pour toi. Elle est plus âgée, plus mature. Tu vois ce que je veux dire? Nous, les hommes, c'est parfois ça qu'on aime chez les femmes. Il y a quelque chose que vous vouliez me dire? Eh bien... non. Depuis quand est-ce qu'on est devenus des babysitters? Elliot, est-ce que deux tu voudrais deux jeux très nous... en verve, une mangue beau parleur et un banana sourire. Alors, comment t'as trouvé les chocolats? C'est un vrai gentleman. Il est venu avec sa tirelire et il a tout dépensé jusqu'au dernier sou. Hein. Ça doit être une super nana. Elle est top. Il faut que je vous parle. Reste là. Tu nous attends ici, hein? C'est trop mignon, tu l'as fait craquer complet. Ouais, bah moi ça m'amuse pas. Et vous étiez au courant? Pas dans les détails. Il faut que tu lui fasses... Écoutez, si vous me croyez d'humeur à ménager ce pauvre bambin, je vous conseille d'oublier. Tu peux quand même être gentille. Il est trop mignon. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ce qu'il est gentil, ce qu'il est mignon. Ok, ça va comme ça. C'est sa première fois. Essaie un peu de te rappeler quand t'étais gosse. Non. Et puis d'ailleurs, cette histoire, c'est juste parce que je lui ai sauvé la vie. Et là, c'est comme enlever une écharpe de la patte d'un chien. Je suppose que tu ferais ça en douceur. Non, je ferais vite en évitant de me faire mordre. Ok. J'avoue que pour tout le relationnel, je ne suis pas très douée. On ne parle pas de relationnel, ce gamin a 11 ans. D'accord, disons que pour gérer les gens qui m'aiment, je ne suis pas très douée non plus. Pourquoi c'est si dur? D'accord. Alors dites-moi ce que je dois lui dire pour qu'il me lâche. Et je le lui dirai. J'ai aucune idée. Moi non plus. Et vous vous adressez à moi parce que... Parce que toi, tu dois avoir l'habitude de te prendre des bûches. Tu dois connaître les méthodes qui marchent. Il faut que ça marche maintenant, Lewis. Ça y est, j'y suis presque. Alors, tous les jours à partir de 5 heures, chacun des trois secteurs sera arrosé durant une minute. C'est pas trop court? Non, non, c'est juste le temps d'absorption. Inutile de gaspiller de l'eau. Et le cycle se répète 20 fois. J'aime mieux ça. Je veux pas que mes plantes aient soif. Ça risque pas avec ça. Lewis, on a besoin de l'avis d'un garçon, s'il te plaît. La plupart des gars veulent savoir à quoi s'en tenir. Je vous l'avais dit. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression de vivre un échec. Je te l'avais dit. Est-ce que l'amour peut s'éteindre de lui-même? Pas si j'en crois mon expérience. Hé, hey Lewis, le temps c'est de l'argent. Ok, on s'en va tout de suite. Hé, Ricky. Oh, Elliot, quelle surprise. Je t'ai acheté quelque chose. Écoute, Elliot, tu ne m'offres plus de cadeaux, d'accord? D'accord. Tu sais, je me disais que tous les deux, on pourrait aller au cinéma. Non, merci. On irait voir le film que tu veux. Ah. Elliot, je sais que tu en passes pour moi, mais je ne suis pas intéressée. Tu sais que je vais devenir un surfeur professionnel. Elliot, comprends une chose, je ne suis pas le genre petit ami. Je suis une solitaire, c'est ma façon d'être. Et si je devenais un solitaire, moi aussi? Ensuite, on pourrait être deux solitaires ensemble. Écoute, même si tu avais 4 ans de plus, si tu faisais une tête de plus et si tu étais moins propre sur toi, je serais quand même pas intéressée. Dans la vraie vie, non, c'est non. Alors, laisse tomber. Quoi de neuf?
On a perdu Elliot. Il est sûrement dans le coin. Relax. Non, Ricky. On a cherché partout, on ne le trouve pas. C'est pas son genre de disparaître comme ça. Tu l'as dit à tes parents? Pas question, il flipperait trop. Est-ce qu'il aurait pas fugué? Oui, en fait, je l'ai trouvé bizarre hier soir. Il était moins joyeux que d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, ça n'a pas de rapport. Ricky? Ok. Je lui ai dit que j'étais pas intéressée. Oh. Mais je l'ai dit gentiment. Ok, d'accord. Je lui ai expliqué que même s'il était plus vieux, plus grand et un peu moins... J'ai dû dire propre sur toi, je crois. J'étais pas intéressée et qu'il devait laisser tomber et me foutre la paix. Ricky, ce n'est qu'un enfant. Il arrêtait pas de me coller. Tu te comportes comme s'il avait commis un crime alors qu'il est juste amoureux de toi. On va s'arranger pour le retrouver avant que mes parents s'en aperçoivent. Mais s'il lui arrive quoi que ce soit, je te préviens, ce sera ta faute. Hey! Et pourquoi tu fais cette tête? Elliot. Oh. Oh, attends que je devine. Tu as essayé de t'en débarrasser, et là, il est plus accroché que jamais. Il a disparu, Lewis. Ça devient grave. Est-ce que tu l'aurais vu quelque part? Non, pas depuis qu'on était chez Lenny. Essaye de raisonner comme un enfant de son âge. Plus facile à dire qu'à faire. Où est-ce que tu te cacherais si t'étais à sa place? Là où vous ne me trouveriez jamais. Ça y est. Et où tu vas? Oh, mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Elliot! Elliot! Je suis sûre que t'es là! Je t'en prie, sors de là! Je suis désolée! Ils vont bientôt fermer, tu sais! T'avais pas dit que l'endroit était génial pour se cacher? Alors, est-ce que ça va? Ça va. Laisse-moi tranquille. Bon, écoute. Je suis sincèrement désolée pour ce que je t'ai dit hier soir. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite. J'ai pris l'habitude que les gens ne m'aiment pas. Moi, quand quelqu'un m'aime, tu vois, ça me gêne. Au point de me sentir... Je dirais... En fait, c'est très dur à expliquer. Je me sens comme prisonnière. Et c'est quelque chose que je vis très mal. Je suis désolée. Tu penses que tu peux me comprendre ? Est-ce qu'on pourra faire encore des trucs ensemble, parfois ? Tu le crois ? Ça marche. Avance, l'entrée est là-bas. Allô ? Oui, oui, à 5 heures, l'arrosage démarre. Pourquoi ? Quoi ? Vous êtes où ? Oh, ok, je fonce là-bas. Emma ? Elliot, dépêche-toi. Pourquoi il faut courir ? Ici.
On est dans le secteur 2. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on court? Qu'est-ce qu'il disait, Lewis? Il y a combien de temps entre chaque zone d'arrosage? J'en sais rien, moi. J'y connais rien. Je crois qu'il y a une minute. Allez, il faut qu'on court. Je pense que c'est par là. Oh non! Lenny! Lenny, tu es là? Quoi? Tu peux pas sortir, j'ai installé tout ça hier. C'est un système automatique inviolable. On est coincé ici pour un moment. Elliot! Oui, je l'ai trouvé, mais ça risque de mal tourner. Désolé, mais vous avez 20 secondes avant que l'arrosage se mette en marche. Bon bah, on sera mouillé. C'est pas grave, ça. Cléo? Regarde, il y a un lézard. Par où ça? Emma? Oh, j'avais garanti à Lenny un système inviolable. Il va me faire un procès. C'est ton système? C'est toi qui les as enfermés? C'est pas ma faute, Cléo. À l'heure de la fermeture, il faut que ça ferme. Mais si on peut le faire sauter, il faut que je corrige le système. Vous êtes bizarres, les filles. Alors c'est l'eau qui vous fait fuir? Oui, c'est... J'ai un mascara qui n'est pas waterproof et il coule partout quand il est mouillé. Les filles sont bizarres. Elliot, promets-moi de ne plus jamais fuguer. Je te promets. Et n'en parle pas aux parents. Non, tu rigoles. Et attends d'être un peu plus grand pour trouver une petite copine. D'accord. Et n'en profite pas, toi.